une question de perspective. D'ailleurs, ce petit bâtiment ici peut être soit vu comme une simple toilette compostable ou un temple alchimique de résilience. Je m'explique. En effet, ce petit bâtiment-là, qui a été 100% fait de matériaux naturels et ou recyclés, comme on voit la vitre ici qui est le fond d'un micro-ondes, cette ancienne technologie qu'on utilisait pour faire cuire des aliments qui n'étaient vraiment, vraiment pas optimales, et de bois et de cobs qu'on voit ici, des bouteilles recyclées, etc., sert à transformer un des plus grands déchets de l'homme, c'est-à-dire nos propres excréments, parce qu'en effet, lorsqu'ils sont mal gérés, les excréments de l'homme peuvent causer d'énormes problèmes. Par exemple, lorsqu'ils sont envoyés dans l'eau, ce qui encore malheureusement arrive, toutes les eaux noires qui sont parfois déversées directement dans l'eau, et dans plusieurs conditions, lorsque c'est mal géré, on peut littéralement détruire la nature, ou lorsque c'est bien géré, comme dans une toilette compostable, puis il y en a plusieurs modèles, celui-ci en est un qu'on fait à l'extérieur de la maison, mais on peut en avoir à l'intérieur de la maison, et il y a toutes sortes de manières de gérer ça. Donc lorsqu'on le gère bien, littéralement cette même substance-là qui allait détruire la nature peut être utilisée et devenir extrêmement bénéfique, tellement que si vous l'apportez au pied d'un arbre fruitier, c'est possible qu'il vous dise un gros, gros merci parce que vous venez lui apporter le fruit de votre travail et donc il sera plus qu'heureux de vous donner le fruit de son travail qui, par exemple, serait une pomme ou une poire ou autre chose comme ça. C'est un excellent échange symbiotique et une solution durable. Donc, je vous invite à voir cette simple bâtisse maintenant plutôt comme un temple d'alchimie qui transforme les ordures en or plus. D'ailleurs, si vous aimeriez plus d'informations sur la résilience, l'éco-construction, l'autosuffisance en général, vous pouvez nous suivre sur notre groupe Facebook ici ou vous abonner à notre chaîne YouTube ici. Si vous aimeriez en savoir plus sur nos formations spécifiquement qu'on donne ici à Trinity au Québec, vous pouvez cliquer ici. Et si vous aimeriez un e-book gratuit sur des sans-salaire passifs extrêmement résilients, vous pouvez cliquer ici.